Azera, je suis en train de partager sur Facebook. A priori, ça passe, c'est bon. J'essaie de vérifier s'il est bien visible. Bien, vous me dites quand on peut y aller. Parce que moi, je ne suis pas sur Facebook, je suis sur Zoom. C'est ça, oui. Et on a dialogué avec mon auditoire au démarrage. Donc, vous faites un peu l'intermédiaire, Sir, aussi. C'est ça, oui, exactement. Donc, C'est ce ça, qu'on parce va qu'il y faire, a. c'est que... Oui. Il y a un démarrage sur un questionnaire, donc si c'est possible, pour que je sache à qui je suis en train de m'adresser, pour que je puisse adapter mon discours, donc à l'auditoire. Vous m'entendez? Oui, je suis là. Donc juste, il y a un petit questionnaire donc au démarrage. Alors si il y a des gens qui écoutent, ça serait bien qu'ils répondent pour qu'on puisse calibrer, pour que je puisse calibrer un peu mon discours, hein, pour que je sache quel secteur, est-ce qu'ils ont été à l'arrêt. Donc voilà, Si, c'est des comment vous questions. souhaitez? Vous souhaitez lancer le questionnaire? Non, non, juste il sera visible sur un slide. Ah, excellent, super. Moi, ce que je vous propose, si vous pouvez le mettre là, pendant cette période d'attente, si vous le souhaitez, si vous souhaitez le mettre, voilà, maintenant, on partage. Oui, le voici. Comme ça, dans Alors, une ou deux voilà, minutes. c'est juste pour calibrer un peu mon intervention, pour savoir dans quel secteur exercent bien sûr les gens qui m'écoutent. Et puis, bien sûr, est-ce que leur structure est à l'arrêt? Elle a été à l'arrêt pendant ces mois. Et puis, de savoir si ils ont pensé ou s'ils ont redynamisé leur structure. Et puis, est-ce qu'ils savent sur quelle force ils se sont appuyés? Et puis, je voudrais aussi savoir s'ils ont fait des choses. Alors, mis à part bien sûr, de leçons et d'échanges que le CDD a organisé. Est-ce que les chefs d'entreprise qui m'écoutent, est-ce qu'ils ont fait des choses spécifiquement pour leur entreprise durant la période? Bien. Hello, Oui. Cédric. Voilà, je crois que Cédric vient de nous rejoindre. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est Ahmed. Ça va, Cédric? Vous allez bien? Bonjour. L'évêque, merci beaucoup pour d'avoir répondu présent à cette intervention, ce webinaire. Merci beaucoup encore une fois pour votre volonté de Voilà. contribuer au sein de notre club. Marhaba, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup. C'est notre raison d'être. L'associatif est dans notre gène, donc nous partageons autant que faire se peut. Parfait, je sais, c'est parfait. Alors, juste quelques moments, le temps de partager sur notre réseau aussi. Vous repartagez ces CDs, vous relancez les inscrits, c'est ça? Alors, Cédric, vous Oui, tout à fait m'entendez? ce que je suis en train de faire, donc Ah, excellent, de super. partager partout dans le réseau, les autres groupes, Facebook, etc.
Malheureusement, comme il s'appelle LinkedIn aujourd'hui, il a un petit souci. Je pense que je ne reçois plus de notifications. Je ne sais pas si c'est un problème général ou non. Oui, effectivement, je reconnais, oui, il y a un petit souci. Moi aussi, j'ai eu des petits soucis sur le réseau. Donc, on est si content sur Facebook déjà. Enfin, une première notification de LinkedIn aujourd'hui pour la première fois. Nous avons une 60 personnes qui sont inscrites sur Zoom à Siazira. De Oui. toute façon, ils vont nous rejoindre bientôt, Inch'Allah. Bon, sur Facebook, on est à plus de combien? De 40, 45, si je ne me trompe pas. C'est 41. 51, ben voilà. Et sur Zoom, on est maintenant aux alentours de 15 personnes. Rapport au. Est-ce que vous avez quelque chose à présenter à Azera? Oui, justement. Excellent. Vous pouvez tester si ça marche bien en attendant d'autres personnes qui nous rejoignent. Alors, c'est ce que je vous disais. Donc, comment faire pour partager? Parce que la Zoom, moi, je travaille Il sur y a web. en bas, il y a, comment dirais-je, il y a. Partager l'écran. Voilà, il y a partager l'écran. Sur Oui. partager l'écran, vous allez choisir ce que vous souhaitez partager. Généralement, on partage l'application, partagez que l'application, ne partagez pas tout votre écran. Alors, ça va tout pantaniser, tout les pantaniser. C'est visible? Pas encore, Pas non? encore. Voilà, maintenant c'est bon. Ça vient. C'est Ahmed aussi, vous pouvez partager le live sur votre page Facebook si vous le souhaitez. Oh là, ça fait comme qu'il fait, hein? Il n'y a pas de problème. Tu vois que là, comme réseau. Il serait plus intéressant si Azera, si vous pouvez passer en mode plein écran pour que ce soit plus agréable à voir. Alors, je suis en plein écran. Alors, vous êtes en train de partager votre écran. Alors, je suis en plein écran normalement. La présentation, vous n'êtes pas en mode À la présentation. présentation. Oui, d'accord. Sur. Voilà. Ah, excellent, super. Là, c'est Si parfait. vous pouvez passer en mode plein écran pour que ce soit. La voix vient de votre part, Siazira. Vous avez activé Facebook, yeah. Téléphone. Et ouais. Là, je vais Voilà. juste. Si vous souhaitez garder Facebook, garde-le. Il faut réduire le son parce qu'on l'entend ici. Là, j'aurais complètement. Hein. Si vous le permettez, peut-être on va démarrer. Vous me permettez juste le temps de souhaiter la bienvenue aux participants et de vous présenter brièvement. Très bien. Donc, je dis bonjour, bonsoir plutôt, bonsoir à tous les participants. C'est une excellente occasion pour nous retrouver encore une fois
à travers un thème d'actualité, un thème brûlant, j'ai envie de dire, la TPE et les possibilités de relance des marchés. Par essence, la TPE est très importante dans notre économie et la possibilité de relance des marchés, c'est encore beaucoup plus important à travers ce qui vient de se passer, à travers ce, ce Covid-19. Aujourd'hui, on remercie vivement professeur Azerar d'avoir accepté de partager avec nous son premier, son précieux temps et partager avec nous son réaction, ses connaissances pour discuter. Pour le but, c'est aussi de d'apporter un éclairage par rapport à ce qu'on nous vivons et particulièrement quelles sont les possibilités qui s'offrent à nous et à nos TPE, particulièrement parce que le réseau, le club des dirigeants est un réseau de chefs d'entreprise. Alors, brièvement, si Azerar, je vais le présenter brièvement parce que c'est que toutes les réductrices. Si Azerar est docteur en sciences économiques, professeur d'économie, à d'économie de commerce international à l'ESCAE de Casablanca, président scientifique de l'AMIE, fondateur de l'association des économistes. C'est plus l'AMIE, hein, c'est Dimis. Et membre fondateur. Très bien, écoutez, merci beaucoup de l'avoir corrigé. Il est fondateur de l'association marocaine de l'économiste d'entreprise, AMINE, c'est ça? AMINE, oui. Voilà, membre fondateur de l'AMSE, association marocaine de sciences économiques. Monsieur professeur Azerar, il est très actif, très dynamique en production scientifique, comme il est l'auteur de plusieurs ouvrages. Écoutez, je remercie C. Azerar et je lui donne le micro pour démarrer notre session. C. Azerar, c'est à vous le micro. Merci, merci mon ami, merci au CDD qui m'a invité à animer cette soirée. Qui m'a proposé donc un thème d'actualité. Je ne voyais pas plus d'actualité pour des chefs d'entreprise aujourd'hui que de discuter de relance des marchés. Alors, sachant que les marchés, c'est toute l'entreprise. Le marché égale entreprise. Alors, s'il n'y a pas de marché, bien sûr, l'entreprise risque d'avoir des problèmes et tout est lié, bien entendu, à ce fameux marché ou ces marchés, parce qu'on va discuter, bien sûr, de la segmentation de ces marchés. Alors, je voulais juste dire que je suis heureux d'être avec vous et de discuter avec vous alors sur ces aspects et surtout pour essayer de vous amener vous-même. Vous l'avez déjà fait, vous avez beaucoup cogité, vous avez eu beaucoup de temps et le CDD a organisé tellement de débats sur des questions générales, mais aussi des questions techniques qui vont être très utiles pour ce que je vais vous dire, et en particulier sur le plan du digital. Donc tout ce que vous avez discuté concernant le digital, concernant le marketing digital en particulier, et tous ces aspects techniques qui concernent bien sûr la manière ou les manières nouvelles sur lesquelles nous avons beaucoup évolué durant ces quelques mois de notre hibernation. Alors nous avons, Dieu merci, effectivement, réalisé énormément de choses, aussi bien du côté de l'administration que du côté des entreprises. Et vous avez sûrement réfléchi vous-même, comme tout le monde, comme les États, comme les entreprises, comme les individus. Chacun est aujourd'hui en train de se remettre en cause et de réfléchir aux stratégies nouvelles, donc de voir son avenir, comment profiter de cette situation que nous avons vécue, qui est inédite et qui nous a donné tellement de leçons et qui nous oblige à réorienter notre action dans un sens qui va avec les nouveaux besoins, avec les nouvelles trajectoires qui se dessinent devant nous. Alors, je voudrais, vous le voyez donc certainement sur ce slide, alors je voudrais, rassurez-vous, je ne vais pas du tout alors là être théorique,
Je vais essayer de discuter avec vous sur des aspects qui vous concernent. Alors, je vais essayer très rapidement de rappeler le contexte dans lequel nous sommes en train de vivre aujourd'hui, en tant qu'entreprise, en tant que pays, dans un monde, vous le voyez, et donc les États-Unis, les images qui nous viennent, vous disent un petit peu l'ambiance dans laquelle nous évoluons. J'allais dire la nouveauté, bien sûr, de ce contexte et la brutalité de ce contexte. Alors, naturellement, je voudrais surtout réfléchir avec vous sur la nouvelle entreprise et sur le nouveau chef d'entreprise, certainement, que vous êtes en train de réfléchir d'être. Alors, je n'ai pas, c'est une déformation, bien sûr, de professeur, mais aussi de quelqu'un de terrain. Je voudrais avancer avec vous sur un concept de l'entreprise Covid-let. Alors, j'ai au lieu, donc contrairement à Covid-19, moi, je voudrais positiver et parler avec vous de vous en tant qu'entrepreneur Covid-let. Vous allez laisser de côté les mauvais souvenirs de ce Covid-19 pour capitaliser sur les bons côtés et pour aller vers des lendemains meilleurs. Alors, l'essentiel de cette intervention va être consacré au marché, comme je vous l'ai dit. Donc, on va analyser les marchés dans leur diversité, marché intérieur, marché extérieur, parce que je sais aussi qu'il y a parmi nous des chefs d'entreprise qui agissent déjà dans l'exportation. Beaucoup importent, ça c'est naturel, mais également beaucoup cherchent surtout à diversifier dans l'exportation, pourquoi pas, si cette occasion leur est offerte pour qu'ils puissent aller sur des chemins nouveaux, sur des marchés nouveaux. Alors je voudrais donc surtout analyser avec vous bien sûr ces marchés, voir quelles sont les opportunités qui s'offrent, mais aussi les difficultés et même les menaces qui se dressent face à nous. Et je voudrais aller ici un petit peu, parce que vous le savez, nous n'allons pas rester tout simplement dans ces choses, mais plutôt construire sur des choses qui pourraient vous intéresser. Et je voudrais beaucoup parler d'information et d'intelligence marché, parce qu'aujourd'hui, si nous ne sommes pas encore dans le marketing, nous sommes beaucoup en retard. Si nous ne sommes pas encore dans le marketing digital, nous sommes encore en retard parce que nous devons déjà être dans le marketing intelligent, dans l'intelligence des marchés. Et donc, nous allons beaucoup discuter de ces aspects, comment avoir une vue 370 degrés de ces marchés, comment analyser tout son environnement. Alors, bien sûr, à commencer par ses concurrents, à commencer par ses clients, en fait, par ses ventes, par ses forces d'innovation, par ses risques. Et Dieu sait, nous avons été tous surpris, et le monde avec nous, par cette crise. Et donc, si nous n'avions pas des réflexes pour gérer les risques, donc nous aurions eu beaucoup plus de problèmes que des gens, des entreprises qui ont des procédures naturellement pour gérer leurs risques, et combien même parce que cette crise a été tellement virulente, tellement choquante qu'il y aura nécessairement de se faire ensemble, en réseau, des entraides pour qu'on puisse dépasser les mauvais moments que nous sommes en train de vivre. Alors, je ne m'étendrai pas sur le contexte actuel et sur le contexte de la relance de votre entreprise post-COVID-19. Je voudrais juste vous rappeler ce que vous avez tellement entendu, ce que vous vivez aujourd'hui sur la surprise, sur l'imprévisibilité de cette crise au niveau mondial,
sur le choc global qui a été sanitaire, comme vous le savez, mais qui est devenu une crise globale, une crise multiforme, sociale, économique, énergétique, humaine, tous les niveaux, et puis une crise d'ordre mondial, hein, une crise dont les bouleversements ne s'arrêtent pas, ils continuent. Alors, d'aucuns disent que c'est une guerre nouvelle, une troisième guerre mondiale qui est là. Alors, tout le monde sait qu'aujourd'hui, ce ne sont plus les tranchées qu'on va utiliser. Hein? C'est de la vieille histoire, mais la guerre actuelle a lieu moyennant de nouvelles méthodes, de nouveaux outils encore plus virulents que les armes que nous avions utilisées, que le monde a utilisées dans la Première Guerre mondiale ou même dans les guerres toutes récentes où les puissances mondiales avaient expérimenté et expérimentent encore des guerres à distance et qu'ils utilisent aujourd'hui encore. Alors le choc est global, il est multiforme. Il ne cesse aujourd'hui de déployer ses effets sur l'ordre mondial. Vous avez vu comment l'ONU aujourd'hui même, qui est censée garantir cet ordre mondial et cette paix mondiale, n'a pas été écoutée, ne serait-ce que pour arrêter les guerres qui sont en cours. Vous savez aussi qu'elle est attaquée elle-même, donc l'ONU, avec ses organismes satellitaires. Je ne voudrais pour preuve que l'OMS, hein, qui est au centre d'un tumulte entre la Chine et le reste du monde. Bien sûr, les USA, aujourd'hui, avec ce qui se passe chez eux, d'inédit, et la mort, bien sûr, atroce de ce jeune américain, afro-américain, est atroce. Mais ce n'est que la goutte, certainement, qui fait déborder un vase plein, puisqu'il s'appelle plus de 30 millions de chômeurs déjà aux États-Unis et des millions qui continuent encore à augmenter avec, bien sûr, les files, hein, de pauvres et tout ce que nous voyons. Alors, naturellement aussi, ce n'est pas les États-Unis seulement, nous le voyons aussi dans toutes les régions, y compris en Europe en face de nous, qui a vécu de manière totalement dispersée la crise COVID-19, qui essaye que cette Europe a montré sa fragilité, et en tout cas le fait qu'elle n'a pas joué en équipe, pour dépasser, elle essaye de se rattraper à travers le fonds mastodonte que la Banque centrale européenne a mis sur pied, mais ceci ne laisse pas la voie fermée à tous ces changements qui sont en train de se faire, y compris sur le plan social et politique. Et je ne voudrais que pour preuve nouveau sur un pays comme la France, où beaucoup de choses sont en train de se mettre en œuvre, y compris sur le plan politique. Je ne voudrais que ce front populaire qui est en train de prendre naissance et qui bouleverse un petit peu, comme hier, Macron a bouleversé l'ordre politique en France. Alors naturellement, ce qui nous intéresse de plus près pour tout ça nous intéresse parce que ça bouleverse l'économie, ça bouleverse tant l'offre et la production mondiale. Alors vous le voyez, vous le sentez, la demande mondiale. Et la demande, nous sommes un pays très intégré dans le commerce mondial. La logistique mondiale bouleversée qui a été longtemps bloquée a complètement déréglé, bien sûr, les approvisionnements. Et elle nous a également causé beaucoup de problèmes et continue encore, puisque nous avons, nous, Marocains, un pays
qu'on nous impose d'être insulaire avec cette frontière fermée, le fait que nos avions et notre logistique maritime soient à l'arrêt, donc ça donne un petit peu un plus à cette crise, mais nous l'espérons, donc l'essentiel de cette crise est derrière nous. Nous voyons le bout du tunnel et donc bientôt, Inch'Allah, tout ça sera un mauvais souvenir. Alors naturellement, ceci a bouleversé totalement le commerce mondial, qui a énormément baissé, qui est en train de se demander sur son avenir. Alors les chaînes de valeur mondiales sont en train de se questionner. Alors aujourd'hui, il y a un excellent papier sur un journal français et également un dossier sur un journal américain sur les chaînes de valeur mondiales. Et la question aujourd'hui qui est posée, quel scénario? Alors ici aussi au Maroc, nous sommes en train de réfléchir et au moins trois scénarios se présentent devant nous. Alors il y a naturellement la relocalisation, nationalisation, ça c'est l'extrême. Il y a la continuation de certaines industries, comme cela se faisait dans le passé. Ça aussi, c'est l'extrême. Et entre les deux, il y a le scénario intermédiaire. C'est celui du raccourcissement d'un certain nombre de filières de production. Et tout ça nous concerne. Alors, aujourd'hui, les industriels eux-mêmes sont les plus concernés. Si hier, la logique de la désindustrialisation s'est imposée parce que c'était la question du coût qui prévalait, alors aujourd'hui, d'autres, et COVID-19 a accentué la réflexion dans d'autres directions, la direction de l'indépendance des pays, la direction de la souveraineté même des pays, la direction du nouveau consommateur qui aujourd'hui veut consommer autrement. On va en discuter et ça nous concerne aussi parce qu'il faut qu'on s'interroge sur notre consommateur à nous, sur nous en tant que consommateurs. Est-ce que nous sommes dans la même logique de changement complètement de mentalité? Je crois que oui, on peut le dire déjà. Alors je voulais dire juste que même si beaucoup de monde et les souverainistes en tête de liste pensent qu'il faut relocaliser, il faut revenir à la production et réduire la dépendance, oui, il y a certaines dépendances qui ont été choquantes, notamment sur les médicaments, sur les produits agricoles. Donc il y a effectivement ces éléments qui ont beaucoup donné à réfléchir, qui ont même accentué la peur et qui ont même créé des psychoses qu'aujourd'hui des millions sont en train de traiter. Alors, je disais que tout ça, bien sûr, a occasionné des effets multiples. Je ne voudrais pas m'étendre rapidement, donc je voulais juste dire que chez nous, il y a des choses positives. Nous les avons tous vécues et nous les vivons. C'est ce lien social qui s'est raffermi. C'est ce rôle de l'État protecteur qui est apparu, donc protecteur et actif, vigilant. Tout ça, on en a discuté. Et puis cette communication large qui s'est instaurée entre les Marocains qui est bien sûr le saut et les raccourcis énormes que nous avons fait en matière de communication, mais également en matière de procédure, de digital, des choses qui nous paraissaient hier non faisables ou difficilement faisables. Aujourd'hui, tout le monde les a faites de manière rapide. Alors, je me souviens déjà en 1994, moi, j'ai passé quelque temps aux États-Unis et quand je suis revenu, parce que c'était la belle période du démarrage d'Internet, du multimédia et tout ça, et que c'était aux États-Unis le grand rush, donc le retour vers l'Ouest américain,
c'était les nouvelles migrations vers l'Ouest. Quand je venais ici et que je disais que j'ai assisté à une conférence à distance, qu'il y a toutes ces choses, j'écrivais encore à l'époque @ et je disais que les spams commençaient encore à gêner et tout ça. Alors nous étions loin ici au Maroc et Dieu sait, j'étais dans une école de gestion. Donc il a fallu que les choses chez nous aussi aillent rapidement, que l'on switch vers des mentalités nouvelles et Dieu sait, nous l'avons fait heureusement. Alors donc ce lien social, ces mutations et puis les modes de gestion. Alors aujourd'hui les modes de gestion, on va le dire, c'est pourquoi je vous propose un concept, hein, non pas pour proposer des concepts, mais juste pour réfléchir, pour mettre les points sur quelques i importants. Aujourd'hui, tout le monde part d'incertitude. Ce qu'il y a de certain aujourd'hui, c'est que nous devons gérer l'incertitude et constamment. Il faudrait que l'on soit agile, que l'on soit dans le digital autant que faire se peut, que l'on puisse nous-mêmes, bien sûr, être in. La génération X, Y, Z est là. Alors, nous allons revenir à la génération A, puisque nous devons pratiquement ouvrir le nouveau siècle. Et tout le monde dit que 2020, c'est l'ouverture du nouveau siècle, du 21e siècle, comme 1917, la guerre 14-17 avait été le point de départ du siècle dernier, le 20e siècle. Alors naturellement, là aussi, deux éléments. C'est que vous, entrepreneurs, vous avez aujourd'hui la légitimité et vous pouvez vous enorgueillir de cette légitimité parce que d'abord, c'est l'entreprise qui crée la valeur. Tout le monde doit aujourd'hui le savoir, que l'environnement doit faciliter, bien sûr, cette création de richesse qui ne peut être créée que par l'entreprise et par des entreprises. Et puis, la deuxième légitimité, c'est qu'à la tête des entreprises, il y a des chefs d'entreprise. Donc, des gens qui prennent des risques, des gens qui ont une carapace dure, des gens d'une nature engagée. Nous allons discuter. Mais il y a des choses nouvelles que ces chefs d'entreprise, pour mériter cette légitimation, doivent aujourd'hui prendre. Doivent utiliser très rapidement et en particulier dans le domaine social, dans leur action agile digitale, dans leur action proche de la nature, dans leur action proche de l'opinion publique, hein, c'est-à-dire les consommateurs tout simplement, et puis également en agissant comme vous le faites aujourd'hui dans le CDD, dans des ONG qui soient responsables, qui jouent exactement le rôle qui est le leur, celui de créer des réseaux de positivation, des réseaux de travail collectif, intelligent. Donc c'est cela qui doit se généraliser au niveau de tous les organismes d'intermédiation institutionnelle, au niveau de l'État, parce que malheureusement, nous avons vu que dans le passé, et certaines manifestations et certaines contestations n'ont été que le témoignage du fait que beaucoup de ces organismes institutionnels d'intermédiation ne jouent pas leur rôle et qu'elles devraient naturellement switcher sur de nouvelles méthodes de management également qui les concernent parce qu'elles-mêmes sont exactement des organisations comme toutes les autres organisations, comme les entreprises qui doivent vivre et continuer à exister parce qu'elles réalisent un retour sur investissement positif. Alors naturellement, tout ceci, je ne voudrais pas m'étaler à haute mesure. Tout un chacun à ce niveau doit faire son SWOT aujourd'hui ou doit faire son analyse stratégique parce que tout le monde
doit aujourd'hui refaire son, tout simplement, sa vision, refaire sa stratégie, réadapter ses moyens pour aller le plus rapidement possible en harmonie avec le nouvel environnement qui se dessine devant nous. Alors, je ne sais pas si j'ai passé tout à l'heure ce quiz. Je voulais adapter autant que faire se peut mon discours. Aujourd'hui, il ne faudrait surtout pas pour un conférencier que je sois à côté de la plaque. Ça ne, il faudrait que je réponde surtout à vos besoins. Et c'est pourquoi j'aurais souhaité que vous me fassiez un signe, de me dire dans quel secteur vous exercez, pour que je puisse un peu prendre mes exemples dans ces secteurs. Et puis, quelle est la nature de votre structure, hein? Et est-ce que cette structure a redémarré? Est-ce qu'elle est encore à l'arrêt? Parce que malheureusement, vous le savez, les deux tiers des entreprises marocaines ont déclaré des employés au chômage, et donc plus de 57%. Selon une statistique ancienne, elle était presque à l'arrêt ou à 50% au moins d'arrêt. Donc, je voudrais savoir si vous êtes en démarrage déjà, si vous avez démarré. Et puis, je voudrais savoir, surtout pour ceux qui ont démarré, quelle est la force motrice qui leur a permis de redémarrer. Donc, sur quoi ils se sont basés? Ce serait peut-être un peu de générosité de votre pas que d'échanger avec ceux qui nous écoutent maintenant, et en particulier votre réseau TPE, pour réfléchir ensemble sur les multiples forces, et on va se rendre que chacun va trouver en lui et en son entreprise ou en son environnement une source de force pour pouvoir orienter et solidifier sa relance. Alors, j'aurais souhaité aussi, parce que certainement vous avez beaucoup réfléchi durant cette pause imposée, ce confinement que nous avons vécu, vous avez beaucoup réfléchi à votre entreprise. J'espère que vous avez fait beaucoup de choses pour votre entreprise également. J'aurais souhaité savoir qu'est-ce que vous avez fait et dans quel domaine. Alors, si, bien sûr, mon ami Sirossi, qui observe certainement les réponses, pouvait me faire un signe pour me dire dans l'oreillette un petit peu quelques indications pour que je puisse vous être utile. Peut-être que la question, s'il n'y a qu'une question à laquelle je souhaiterais que vous répondiez, c'est celle-là. Si vous aviez une première question à résoudre, un problème à résoudre, qu'est-ce que c'est vraiment pour accélérer la relance de votre entreprise? J'aurais souhaité savoir c'est quoi cette dynamo. Hein? Excellente, excellente question, c'est Azerar. Excellente. Peut-être on va donner quelques secondes à nos participants pour le temps d'y répondre. Donc, la question, elle est claire. S'il vous plaît, Siazer, est-ce que vous pouvez revenir au slide précédent pour garder la question? Alors, quelle est la première, voilà, si vous avez une question principale, ça, à mon sens, peut-être il y a beaucoup de questions ici. Est-ce qu'on peut garder alors, que la dernière question? Quelle est la principale force actionnée pour vous relancer? Voilà, quelle est la principale force? Donc, c'est la question numéro 3. Quelle est la principale force actionnée pour vous relancer? Alors, il y a Leïla qui a interagi pour dire qu'elle souhaite introduire le Lean Manufacturing. Il y a sur Facebook une ressource qui parle du secteur de location de voitures. Pardon, là? C'est le secteur de location de voitures. Il y a un commentaire sur Facebook qui parle de location, secteur de location. Alors, de voitures. Il y a combien de gens qui nous suivent en ce moment? On est une vingtaine sur 25 sur Facebook, sur Zoom. Et on est à combien sur… Une cinquantaine.
Vous avez dû gaver votre réseau par le nombre impressionnant de conférences que vous avez organisées. C'est du jamais Probablement. vu. Hein. Sincèrement, moi, c'est la première fois que je vois une association faire autant de débats. Bravo. Merci beaucoup. Mais Merci. il y a le risque d'indigestion. Hein. Donc, ça se voit. Donc, les De gens sont saturer, actifs. n'est-ce pas? Il y a un risque de saturer. Je vois aussi secteur de distribution, secteur de climatisation. Il y a aussi secteur de distribution de BTP. Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors là, il dit secteur le parent pauvre, tous les secteurs, le secteur des services. Oui. Je vais revenir sur Zoom pour voir est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau. Là, il y a voilà, réseau et télécom, il y a agroalimentaire, courant faible, il y a l'informatique. Bon, voilà, ce sont les différentes réponses. C'est diversifié, merci. Alors, donc, je reviens à ce que je disais. Et donc, je disais que j'allais parler de cet environnement. Et là, l'environnement de la relance, vous le vivez, puisque c'est exactement ce qui est en train de se faire, puisqu'il y a un plan de relance dont il est question, et puis il y a une loi rectificative des finances. Vous avez aussi dû utiliser, bien entendu, ces premières mesures de court terme très rapides qui ont été prises par le gouvernement. Alors, ces reports, bien sûr, des exigibilités, aussi bien fiscales, de crédit, également donc, les financements qui ont été présentés et que vous avez dû utiliser. Le ministre des Finances a donné il y a 2 jours ou 3 devant la CGM des indications sur le nombre d'entreprises qui ont utilisé ces exonérations et ces facilités et ces financements. Alors certainement, vous aurez peut-être en tant que TPE un point de vue à valoir, et je suis aussi le débat qui est très animé au sein des associations des TPE. Alors à ce sujet, je voulais juste rappeler très rapidement donc ce plan CGM. Alors ce plan CGM qui a aussi mis le ministère de l'Économie et des Finances à contribution, puisque, et c'est le ministre lui-même qui l'a dit, ils ont participé à synthétiser donc les mesures transverses qui ont été retenues ou qui sont proposées. Alors 508 propositions CGM, 25 plans sectoriels, 100 milliards de dirhams sur 12 mois, hein. Alors avec des mesures concernant l'offre, des mesures concernant la demande et des mesures transverses au nombre de 7 concernant les salaires, concernant l'AMO, donc le social, les filets sociaux. Alors la demande publique et les achats, donc et notamment la TVA différenciée sur les secteurs pour relancer la consommation. La relance par la demande publique, les investissements publics et les achats publics, hein, les dettes à long terme conditionnées et bonifiées pour réduire les taux sur les finances des entreprises et également sur les fonds propres, parce que pour éviter les risques de solvabilité, et également la TVA incitative et de lutte contre l'informel. Donc ça, ce sont les... Alors, qui concernent aussi en partie, naturellement, les TPE. Alors, on va en discuter peut-être. Est-ce que c'est oui? Sinon, je suis ce que disent un certain nombre d'associations. Alors, toujours est-il que le satisfecit du ministère de l'Économie et des Finances à l'égard de ce plan CGM est total.
Alors, qui rajoute donc une idée sur le plan à venir que le ministre des Finances a appelé les 4 R, résister, redémarrer, relancer, réadapter. Un plan de lutte selon une nouvelle méthode contre l'informel. Alors, pas lutte, mais de formalisation de l'informel. Et puis, développement du digital, de lutte contre la sous-capitalisation des entreprises. Ça, c'est quelque chose qui intéresse éminemment les TPE. Alors, en contrepartie d'obligations à respecter, de transparence et de pacte emploi-croissance auquel on pense tous, côté entreprise, mais également côté de l'administration. Alors, qu'en est-il des TPE? Alors, les TPE, jusqu'à maintenant, malheureusement, là, je dois le dire, parce que là, l'associative que je suis est bouleversée, peut-être même, par cette dispersion de la TPE. Alors, à chaque fois qu'un réseau naît, il y a encore un autre réseau qui se crée. Et en marocain, donc, nous démultiplions les réseaux et donc nous nous éparpillons encore plus. Alors qu'il faut s'agréger dans des réseaux solides, dans des réseaux qui ont une légitimité, sachant que déjà vous plaignez en tant que TPE d'être soi-disant ignoré par la CGM, qui est une bien sûr association qui a une légitimité d'abord d'ancienneté, elle date des années 40, hein. Et donc, elle représente aujourd'hui, et là, l'intention aussi de représenter également les petites entreprises. Alors, sachant qu'elle donne toujours l'impression d'être le club ou le réseau des grandes et des moyennes entreprises à la limite. Alors, c'est en tout cas ce que vous pensez en tant que réseau des TPE. Alors, naturellement, vous avez raison peut-être de penser ceci parce que la contrainte des TPE aujourd'hui est une contrainte d'existence, c'est une contrainte de vie, hein, complètement. Sachant que COVID-19 est venu déjà sur des fragilités structurelles des entreprises petites et très petites. Tout le monde le sait, les fragilités sont multiples de ces entreprises petites, très petites, elles sont structurelles, elles sont financières, elles sont surtout de management, elles sont surtout de compétitivité, et on va beaucoup parler de compétitivité, sachant aussi que nous naviguons dans un environnement qui est un environnement de management marocain qui est impacté par les paiements. Nous avons aussi des pratiques de paiement qui sont ce qu'elles sont. Tout le monde cherche à se financer à l'amont par ses fournisseurs et retient à l'aval ses paiements sur également sur ceux à qui il doit des paiements. Donc cette gymnastique, malheureusement, qui se greffe et qui alimente une économie en cash, et cette économie de cash a fait beaucoup de TPE en situation de risque complètement de faillite, puisque si vous avez tout simplement l'essentiel de vos créances en cash, vous êtes naturellement en grande difficulté, en risque même, tout simplement de vous voir refuser tout simplement les paiements parce que vous ne pouvez pas avoir en général des garanties pour vous faire rembourser, si ce n'est la confiance bien sûr, ou les fameuses pratiques de chèque de garantie, ou etc. Nous savons que tout ça ne mène pas loin. Et puis naturellement les pertes de beaucoup de potentiel
des entreprises, à commencer par le fait qu'elles aient licencié déjà un certain nombre de salariés, et il se trouve que parmi ces salariés, il y a des salariés qui détiennent tout le patrimoine de cette entreprise. Donc, ils ont une connaissance parfaite du métier, et donc, c'est déjà quelque chose d'une perte monumentale pour beaucoup de TPE qui risquent de se retrouver chez la concurrence. Alors, le risque aussi pour ces TPE, c'est qu'elles puissent être tentées elles-mêmes par l'informel. On va discuter de ça. Elles risquent d'être tentées par l'informel, et c'est ce risque qu'il faut éviter à tout prix, sachant que les chiffres déjà de l'informel marocain sont ahurissants. Alors, plus du presque le tiers de la valeur ajoutée nationale, en tout cas, si ce n'est pas proche de ce chiffre, et puis les deux tiers de la main-d'œuvre marocaine est utilisée dans l'informel. Donc, ce qui fait que tout ça est un... Alors, naturellement, face à ça, il y a eu ce que l'État a fait, et en particulier le fameux Daman Oxygène, alors, contre lequel vous avez dit en tant que TPE qu'il y a une résistance bancaire, puisque seulement 20 000 entreprises en ont bénéficié à la fin mai. Et c'est pourquoi le CVE, donc l'État, a décrété donc deux nouveautés. Alors déjà, relance TPE, et c'est un fonds de garantie sur 7 ans, avec 2 ans de grâce pour financer, y compris le fonds de roulement, et surtout le fonds de roulement, donc pour permettre aux petites entreprises d'avoir vraiment de l'oxygène pour continuer à fonctionner. Et puis également un troisième fonds, Daman, donc Daman Relance, qui va financer les fonds propres, et c'est aussi quelque chose qui concerne également les petites entreprises, donc c'est quelque chose d'important. Donc l'État est en train de réagir rapidement, et il est en train, donc le tout, maintenant il incombe aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise, de présenter bien sûr des dossiers qui se tiennent, hein, des dossiers qui se tiennent, de revoir leur stratégie si leur stratégie n'était pas dans la bonne direction, pour que les banquiers, parce que les banquiers, c'est des entreprises comme vous, et ils sont tenus par leur retour sur investissement à eux également, et ils se nourrissent bien sûr de ce que ils donnent comme crédit et comme dépôt, et les dépôts, ce ne sont pas les leurs, ce sont bien sûr ceux des déposants. Alors, naturellement, vous demandez une nécessité de discrimination positive pour les TPE. Ça, je suis totalement d'accord. Je crois que l'État a déjà écouté. Il faut qu'il continue à écouter, notamment sur un point assez particulier. C'est sur la commande publique. Il faut absolument que la commande publique puisse aller aussi et en bonne partie aux toutes petites entreprises. Il faut que les entreprises publiques, il faudrait que les achats territoriaux, donc dans les régions, dans le local, il faudrait que l'administration centrale et ses achats puissent aller aussi aux petites entreprises. Il faudrait que dans les régions, il y a certaines régions encore plus en difficulté que les régions nanties. Il faut que ces régions les plus névralgiques, il faut encore qu'il y ait de la discrimination positive encore plus importante pour que les TPE et les PME et les entreprises dans ces régions puissent continuer à fonctionner, parce qu'il y a déjà dans ces régions un nombre de chômeurs importants, et il y a des difficultés importantes d'environnement pour les entreprises en général, déjà avant Covid, et a fortiori sous Covid et après Covid. Donc, il faudrait que ce message puisse passer
parce qu'il y va de l'emploi et il y va du social. Et il n'y a pas plus que, bien sûr, que l'emploi pour éviter la tomber dans l'informel et la pauvreté et la création de revenus pour que la consommation puisse redémarrer rapidement. Alors, il faudrait aussi qu'on ne l'oublie pas surtout. Je sais que les dossiers qui ont été ficelés ont continué et que même on m'a dit que dans les régions, le greffe des tribunaux a continué à fonctionner pour enregistrer les entreprises des jeunes et des moins jeunes dans le réseau et dans le fonds Ntelaqa a continué. Il faudrait que ça continue et il faudrait qu'il puisse s'accélérer parce qu'il y a énormément de besoins et s'il faut renflouer ce fonds, et l'État certainement ne va pas hésiter à le faire parce que c'est pour la bonne cause. Il faudrait surtout se garder de financer des projets naturellement qui ne soient pas des projets sérieux, qui puissent créer de la valeur, qui puissent embaucher, ne serait-ce que le chef d'entreprise lui-même et autour un ou deux ou trois collaborateurs. Donc, il faudrait surtout éviter que l'on puisse financer n'importe quoi, parce que ce n'est pas de la charité, c'est des fonds d'emprunt, même si c'est à des taux très, très bonifiés, jamais donnés avant. Il faudrait qu'ils puissent créer des entreprises viables et que l'on puisse créer à travers eux une nouvelle génération d'entrepreneurs. Je n'aime pas sincèrement cette appellation, il faut que je vous le dise, de TPE. TPE, pourquoi TPE? Tout se crée petit, vous êtes entreprise tout simplement. Et donc, même les GAFAM se sont créés dans des garages en tout petit projet. Et ils sont aujourd'hui des multinationales, ils sont les plus grandes capitalisations mondiales. Je souhaiterais que cet acronyme puisse disparaître parce que je n'aime pas les pleurnichards. Hein. Je souhaite que les chefs d'entreprise puissent être des chefs d'entreprise comme il se doit, avec une carapace dure. Et puis qu'ils soient ambitieux, c'est-à-dire des chefs d'entreprise qui veulent grandir. Nous avons très peu de grandes entreprises. Il faut que nous en faisions. Il faut que nous créions de grandes entreprises comme nos champions qui doivent encore grandir pour que nous puissions aller sur les marchés mondiaux et que l'on puisse résister à la concurrence mondiale sur nos marchés. Et qu'on puisse aller sur de manière encore plus valorisante sur les chaînes de valeur mondiale. Alors, comment relancer les entreprises? Alors, je crois que le temps passe. Alors, j'avais animé des choses récemment et j'avais discuté avec beaucoup de monde et j'ai eu beaucoup de questions. Je ne sais pas si ça peut vous être utile. Je les passe très rapidement. On m'a posé des questions que je juge très intéressant. Donc, la première, c'est celle-là. S'il n'y a qu'une seule question qui m'a vraiment plu, c'est celle-là. Doit-on s'attendre à une sorte de crise de la quarantaine chez certains chefs d'entreprise qui vont se dire « cette crise m'a ouvert les yeux, je quitte tout, je vais aller gérer la ferme de comment laisser mes parents dans le Rab ou dans les Dukala, ou bien même tout simplement je vais retourner dans l'informel. C'est beaucoup plus sécurisant et ça m'évite bien sûr tout. » Voilà une question de fond. Une question de fond contre laquelle il faut absolument que tous se mobilisent. Bien sûr, en tant qu'associatif. Alors, car un chef d'entreprise, c'est un créateur,
C'est quelqu'un qui est déterminé, engagé et qui a un certain nombre de caractéristiques sur lesquelles on va discuter. Je parle de Covillet, hein, le chef d'entreprise Covillet. Je vais dire ce que j'en pense. Alors, il y a également en matière de communication, on m'a dit notamment, mon entreprise va reprendre. Je comptais envoyer un email à mes clients. Est-ce que c'est la bonne méthode de renouer avec sa clientèle? Est-ce que ne serait-ce qu'un coup de fil déjà n'est pas meilleur qu'un email? Est-ce que communiquer sur ce que vous avez fait de bien, notamment je vous avais distribué des casse-croûtes ou je ne sais quoi à des nécessiteux ou vous avez donné des masques, ce qui était bien, bien sûr, au personnel soignant. Vous avez accueilli dans vos hôtels des personnels soignants. C'est une excellente, bien sûr. Il y a tellement de manifestations de générosité et de solidarité qui sont apparues et qui ont été les bienvenues pendant cette période. Mais est-ce que, pour autant, communiquer sur ça ne va pas écœurer tout simplement votre clientèle et dire que voilà, il a fait un geste qui est un geste obligatoire à la limite et voilà qu'il nous en parle. Donc c'est une alors il y a aussi beaucoup de questions concernant les salariés. Est-ce que le télétravail va augmenter? Est-ce que c'est une bonne chose pour moi, pour mon entreprise? Est-ce que je suis prêt pour ça, malgré qu'il n'y a pas encore de législation sur ça? Est-ce que le modèle de management que j'observais jusqu'à présent, et ça c'est une question de fond, va changer et auquel cas sur quoi il faut aujourd'hui construire, on va en discuter. Est-ce que les vagues de licenciements qu'il y a déjà ou qui vont avoir lieu, est-ce qu'ils vont toucher beaucoup de domaines et qu'est-ce qui va en résulter? Voilà une question donc, que tout le monde se pose, pas au Maroc uniquement, donc dans les pays les plus développés. Alors, bien sûr, l'état d'âme des salariés qui reprennent aujourd'hui, est-ce que vous les avez entretenus tout au long de ce Covid? Est-ce que vous les avez bien traités? Est-ce que vous les traitez d'ordinaire déjà bien? Est-ce que ces salariés ont-ils été impactés? Comment les remotiver, bien sûr? Tout ça, ce sont des questions qui vous reviennent, sur lesquelles vous avez certainement réfléchi. Comment accompagner le retour des salariés? Vous savez qu'il y a beaucoup d'obligations, déjà sécurité et de santé aujourd'hui, qu'il faut absolument assurer dans nos entreprises, quelles qu'elles soient, TPE ou grandes. Alors naturellement, tout ça, il faudrait en être conscient. Est-ce qu'il faut faire une fête à l'ouverture, de réouverture? Est-ce qu'il faut faire comme si de rien n'était, etc. Donc, tous ces éléments, est-ce que ce Covid-19 va augmenter le travail temporaire, les CDD? Est-ce que l'informel va encore augmenter? Est-ce que sur le plan des migrations, est-ce qu'il y aura des changements? Est-ce que ça nous concerne? Alors, sachant que beaucoup de ceux qui sont en chômage à l'étranger risquent de rentrer également, donc une fois qu'ils seront admis, est-ce qu'ils viendront ajouter au chômage ou est-ce qu'ils auront des apports positifs à apporter localement? Donc il y a ce problème aussi dont nous souffrions, qui est l'immigration des
des salariés qualifiés ou même des hauts cadres et des gens très bien formés, et notamment les ingénieurs, les médecins et tout ça. Est-ce que ce Covid-19 va arrêter cette vague? Auquel cas, ça serait bien sûr bénéfique pour le pays. Donc, voilà des questions. Alors, il y a aussi beaucoup de questions, alors cette fois-ci, vraiment de stratégie. Est-ce que c'est le moment d'avoir de nouvelles idées de business? Est-ce que c'est le moment de changer de stratégie? Est-ce que c'est le moment d'investir aussi? Est-ce que c'est le moment de racheter des entreprises? Est-ce que c'est le moment de vendre mon entreprise? Donc, toutes ces entreprises, toutes ces questions, cette fois-ci de stratégie, qui, naturellement, est-ce qu'aujourd'hui, surtout dans ce qui nous intéresse, parce que je vais parler surtout dans ce qui reste de mon temps, de marketing et de marché, donc est-ce qu'il y aura en particulier une nouvelle stratégie marketing à faire, étant donné que l'environnement marketing a changé de manière substantielle durant ce Covid. Donc, il y a aussi beaucoup de questions. Alors, je ne voudrais pas m'attarder. Je voudrais juste tirer un certain nombre de conclusions. Là, il y a beaucoup de changements, et en particulier sur le mode de management des entreprises et sur le chef d'entreprise lui-même. Première bonne nouvelle, c'est que le leadership dans la nouvelle vie que nous allons entreprendre après Covid peut s'apprendre, et donc on peut naturellement shifter sur ce nouveau mode de leadership que les chefs d'entreprise doivent acquérir, étant donné que les priorités du nouvel environnement vont être nouvelles. Donc le digital, le nouveau consommateur, la nature et son respect, etc. Donc l'international et ce qui, dans les deux sens, aller vers l'international et l'international qui vient vers nous de nouvelles, selon de nouvelles méthodes et de nouvelles procédures. Donc là, c'est la première grande conclusion. La deuxième bonne nouvelle, c'est à chaque crise, il y a de nouvelles opportunités. Donc, si nous n'avons pas déjà saisi beaucoup de ces opportunités, il n'est pas trop tard. Il faut naturellement les saisir. Et les saisir comment? C'est justement cette analyse stratégique nouvelle à faire. Alors, vous avez eu beaucoup, beaucoup de conférences et de cours même, j'avais vu, de stratégie et de méthode de changement stratégique. Je fais confiance à ce que vous avez appris et pour l'utilisation de l'ensemble de ces outils quand on a développé devant vous pour que vous réajustez vos stratégies. Mais ce qu'il y a aussi, c'est de vous réajuster vous-même si vous ne l'avez pas déjà été. Et je pense que vous l'avez été puisque vous êtes un chef d'entreprise et que vous êtes déterminé à continuer. Alors, il y a cinq éléments fondamentaux rapidement sur lesquels je voudrais bifurquer avant de parler marché. C'est le chef d'entreprise dont je vous parlais depuis un moment, Covid-let, donc un chef d'entreprise nouveau. L'information et son rôle, je ne vais parler que de marché et d'information et de digital, bien sûr de collaborateurs, mais également de trésorerie, parce que c'est lié, tout ça est lié, parce qu'il faut des investissements éventuellement, donc pour réaliser ça. Je pourrais dire rapidement, et j'ai écrit ça en arabe parce que c'est très parlant, parce qu'en anglais c'est la même chose, confiance. Donc, le chef d'entreprise dont je parle, Covid-let, quatre grandes caractéristiques. C'est quelqu'un qui ne va pas déposer le tablier, au contraire. La crise, s'il ne l'a pas tué, et ne l'a pas tué, il va l'engraisser, ratsimlo, comme disent les Marocains. Donc, la confiance, ce n'est pas confidence à l'américaine, mais c'est une nia marocaine en arabe. C'est être déterminé, avoir nia de continuer
Et donc, Nia, elle est intérieure, elle est en vous, et c'est celle-là qui fait cette boule, cette force, qui va vous permettre, bien sûr, de continuer cela. La vision, oui, vous êtes de bonne foi, vous êtes déterminé, mais encore, il faut planifier tout ça. Il faut une vision, ro'ya, il faut voir loin. Il faut donc que vous ne voyez pas juste devant vous. Comment vous vous voyez dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 7 ans, vous allez grandir, etc. Donc, quels sont les moyens? Et cette nouvelle vision, si vous ne l'avez pas, il faut naturellement y travailler. Vous avez beaucoup appris de cette crise et vous avez appris déjà de votre expérience de chef d'entreprise dans votre secteur d'activité. Donc, vous avez certainement de nouvelles pistes sur lesquels vous allez bâtir cette nouvelle vision. Et puis, naturellement, vous êtes le chef d'entreprise, ce chef d'entreprise, leader, qui a ce leadership. Alors, Bal-Arbiya, c'est encore bien. Je préfère le Maqboul, hein, qui a ce Qboul, donc là, avec tout le monde, avec son environnement. Et puis, pourquoi il a ce Qboul? Parce que tout simplement, c'est un chef d'entreprise éthique, sadr, il a sidr. Il respecte l'éthique, l'akhlaqiyat. Donc ça, je pense, tout ça, nous l'avions. Juste, j'ai mis quatre noms en arabe sur ce Covilet. Donc l'entreprise Covilet est une entreprise qui a confiance en elle, qui a sa vision, qui est gérée et qui a un chef, un leader à sa tête, avec toutes les spécifications du leader, et puis qui est éthique, donc qui utilise la transparence, qui, etc., tous ces éléments d'éthique, y compris l'éthique sectorielle, l'éthique d'entreprise, donc la charte d'entreprise, le respect de l'environnement. Alors, bien sûr, c'est cela. Je voulais dire cette COVID-LED, ça veut dire tout simplement, c'est une entreprise dans laquelle le chef d'entreprise est le leader, celui qui voyait au centre de ce schéma, donc de l'organisation, c'est celui qui est capable d'adapter son entreprise, son organisation en général, toutes les organisations, y compris les administrations, à leur environnement. C'est cela le chef d'entreprise. Et là, nous avons un nouvel environnement. Il faut absolument que le chef d'entreprise s'emploie à adapter et à gagner dans le nouvel environnement. Et qu'est-ce qui fait qu'il va gagner? Alors justement, s'il considère, s'il ne l'a pas toujours fait, considérer qu'à côté des inputs traditionnels, c'est l'information et c'est la connaissance, l'information qui est l'input essentiel aujourd'hui. On a beau avoir des collaborateurs fidèles, formés, etc., les ressources financières, les bons équipements et tout ça. Donc, c'est l'information, c'est cet input fondamental qui constitue aujourd'hui, bien sûr, l'élément essentiel, comme il se retrouve comme output, comme vous le savez, puisque c'est aussi l'information que je déverse dans mon environnement. C'est mon image de marque, c'est mes produits, comment ils sont, est-ce qu'ils sont éthiques, est-ce qu'ils sont respectueux de l'environnement, est-ce qu'ils sont porteurs de cette culture d'entreprise que je développe à l'intérieur, de cet entrepreneur Covidette qui cherche bien sûr à rayonner sur son environnement et à avancer, à influencer bien sûr son environnement. Parce que c'est à cela que sert l'information. Nous allons voir tout le processus d'information. C'est celui d'avoir une vue très claire sur son environnement et puis d'avoir l'information nécessaire pour pouvoir maîtriser cet environnement et gérer son entreprise en harmonie pour qu'elle croisse dans cet environnement. Alors tout ça parce que justement, c'est cela la raison d'être de l'entreprise, c'est d'être compétitive et d'être compétitive, de faire ce qui lui revient à elle parce que personne
ne peut créer à la place du chef d'entreprise et de l'entreprise sa compétitivité. Donc l'avantage compétitif dont tout le monde parle, il se crée au sein de l'entreprise par tout le collectif intelligent et qui travaille ensemble au sein de l'entreprise, qui est en harmonie et qui utilise bien son secteur d'activité, sa région, son territoire dans lequel il est assis, et qui utilise bien sûr l'environnement plus global, puisque vous savez que vous bâtissez votre avantage compétitif sur votre environnement global macroéconomique, mais également sectoriel, puisque vous agissez dans un secteur d'activité et que vous utilisez donc des technologies les meilleures possibles dans votre secteur d'activité pour être compétitif, parce que la compétitivité aujourd'hui, c'est une compétitivité prix toujours, mais c'est une compétitivité qualité, et naturellement, la qualité vient de l'innovation. Donc, tous ces éléments que vous connaissez, que vous maîtrisez, mais qu'il va falloir mettre en application. Donc, entendons-nous bien? Oui, nous demandons à l'État cet avantage comparatif macroéconomique. L'État est conscient, il doit agir, il doit faire ce qu'il peut pour que les entreprises puissent continuer à être compétitives et à améliorer leur compétitivité. Également, les territoires et les secteurs d'activité doivent faire ce qui leur revient comme responsabilité pour que les entreprises qui sont assises dans ces secteurs et dans leur territoire puissent continuer à créer de la valeur ajoutée pour le bien justement du territoire d'abord, de la nation dans sa globalité. Et il faut naturellement que l'entreprise, finalement, c'est elle le joueur, et c'est comme disent les rugbymen, c'est à elle de transformer l'essai, c'est à elle vraiment d'être compétitif et de créer l'avantage compétitif, c'est-à-dire des produits et des services compétitifs qui gagnent sur le marché et plus généralement sur tous les marchés, parce que, et je vais le dire et insister, il n'y a plus de différence. Ça a été déjà le cas avant, depuis que le Maroc a choisi l'ouverture. Il n'y a plus de différence entre marché intérieur et marché extérieur. On va le voir, c'est la même logique, même si aujourd'hui l'optique, notre optique doit changer. Il faut d'abord que nous voyions marché local et que nous utilisions le libre-échange pour nos intérêts avant qu'il ne s'impose à nous pour les intérêts des autres. Ça, on va le dire, on va s'entendre sur cet élément. Donc, la sacro-sainte compétitivité, c'est elle qui nous guide et c'est elle qui doit naturellement faire en sorte que nous créions des entreprises et que nous continuions à les piloter. Alors, naturellement, pour parler de toutes les entreprises, alors il y a toute une chaîne, bien sûr, de la compétitivité qui va depuis la recherche-développement, donc la science, la créativité, l'innovation, en passant bien sûr tout ça, pourquoi? Parce qu'il y a de l'information que nous utilisons de manière intelligente, donc toute l'intelligence économique, on va voir parce que ça, c'est cela qui va nous permettre d'innover et donc d'accumuler un potentiel d'innovation chez nous, un patrimoine que nous devons gérer à travers le knowledge management, parce que nous avons à l'intérieur de notre entreprise un ensemble, un stock qui évolue, qui s'améliore d'innovation et de potentiel que nous devons pour transformer tout ça, pour avoir de la compétitivité qui vient de l'intérieur, mais aussi de notre environnement via l'intelligence économique que nous devons utiliser. Donc, 5 questions stratégiques rapidement. Vous vous posez aujourd'hui certainement ces questions. Dans quelle arène j'évolue? Vous, dans quelle arène? Parce que c'est une arène de concurrence. Dans quelles sont mes forces? Hein? Quelles sont les mes forces dans cette arène? Parce que c'est cela qui va me permettre de me distinguer, me différencier, exister, faire ma part de marché et le faire évoluer positivement
dans cette arène. Deuxièmement, pour justement ceci, quelle est ma valeur unique? Quelle est cette valeur unique qui fait que des clients viennent et me sollicitent pour que leur fournisse ce produit, ces produits, ce service, ces services. Donc, la valeur unique. Troisième question, comment vous la livrez cette... Parce que là aussi, il y a énormément à faire et d'innovation. Comment vous livrez cette valeur unique? Comment vous la livrez? Comment vous touchez, justement, vos clients? Comment vous augmentez ces clients? Par quel canal? Quel réseau? Comment? Par quel emballage? Par quelle, etc., manière de présenter naturellement vos produits et services à votre... Et puis, votre position et comment vous en profitez? Quelle position vous occupez aujourd'hui dans l'entreprise? Vous êtes en leader sur le marché? Eh bien, tant mieux pour vous. Mais vous n'avez personne devant vous qui va vous motiver et qui va vous servir comme point de mire pour que vous puissiez avancer. Donc attention, parce qu'il y a surtout derrière vous des outsiders qui voudraient naturellement prendre votre place. Donc la position et le positionnement qui évolue constamment. Ça, il faut être conscient que dans une stratégie marketing, dans une stratégie plus généralement de votre management, votre positionnement évolue, comment vous en profitez, comment vous le gardez, comment vous l'améliorez. Et puis, et pour cela, quelle est votre meilleure trajectoire? Bien sûr, parce que vous ne travaillez pas pour le court terme, vous avez créé une entreprise, c'est comme si vous avez fait des enfants, vous avez tout simplement pris option sur le long terme. Sur le long terme. Naturellement, vous pouvez être un entrepreneur qui fait grandir des entreprises et qui les cède, c'est une manière de voir. Vous n'allez pas vous éterniser dans une entreprise, vous allez la créer, la faire grandir, la faire bien sûr valoriser, et puis vous allez la céder pour en créer d'autres, etc. C'est une manière de vivre en tant qu'entrepreneur par cette évolution externe, par cette croissance externe. Naturellement, c'est aussi. Alors, les ressources humaines, beaucoup de monde vous a dit beaucoup de choses. Je voudrais juste dire que COVID-19 nous a montré de nouvelles choses là aussi sur le nouveau management. Nous savons qu'il n'y a de richesse que d'hommes, ça c'est clair, d'hommes et femmes, naturellement, pour ceux qui en doutent encore. Trois optiques, c'est que COVID-19 nous a mis l'homme face à l'homme, vous le voyez, l'homme face à la nature, et puis mieux encore, l'homme face à lui-même. Donc ça, c'est constamment, tout ce que c'est fait, vous le voyez, c'est l'homme, l'humain, le social, la nouvelle optique dans laquelle baigne, bien entendu, l'entreprise, et ça dans les trois optiques, face aux autres, face à la nature, face à vous-même, en tant que chef d'entreprise, en tant que consommateur, en tant qu'associatif. Donc, tous ces éléments qui nous ont donné une manière de nous voir dans un rétroprojecteur qui nous a donné notre image vraie, pour, comme disent mes amis, les experts comptables, pour aller vers un avenir certain. Alors, certains, bien sûr, c'est l'information et ses enjeux. Gérer l'incertain, ça veut dire aujourd'hui, plus au niveau des États, de toutes les organisations, au niveau des entreprises, c'est de planifier encore et toujours. C'est de revoir les stratégies, donc des stratégies glissantes, pour être agile le plus possible, sans pour autant vouloir tout contrôler soi-même. Ça, c'est aussi le leadership, le vrai leadership, celui, bien sûr, qui va former des collaborateurs, les responsabiliser et les associer
dans la gestion et dans la création de richesses à travers l'échange total et transparent de l'information, l'information sur laquelle on va tout miser dans ce qui reste de montant, du moins pour les marchés. Alors, naturellement, l'information, c'est elle. Donc, l'information, il faut optimiser son usage, car la donnée que vous observez devant vous va devenir information, et c'est cette information qui va devenir une connaissance au sein de votre entreprise, donc qui va créer votre savoir, votre technologie, votre manière de faire, votre culture d'entreprise, qui va se retrouver dans vos produits, dans vos services, dans votre innovation. Donc c'est cela, c'est pourquoi nous disons que tout part de l'information, tout part de l'information, et tous les autres inputs, bien sûr, vont être utilisés compte tenu de ce que vous avez eu comme information que vous allez transformer en connaissance au sein de votre entreprise pour innover et donc pour fournir des biens et services compétitifs. Alors, naturellement, l'information, vous avez eu. Alors là, je ne vais pas rentrer encore dans tout ce que vous avez discuté à ce niveau. Je voudrais juste piquer ce schéma. Alors, qui traduit bien tout le cycle de l'information pour une entreprise. L'information interne, et Dieu sait combien d'informations existent à l'intérieur même de l'entreprise. Il faut commencer déjà à l'utiliser, la collecter, la stocker pour mieux la distribuer entre les collaborateurs pour l'exploiter. Donc la connaissance intérieure, et cette connaissance intérieure, aujourd'hui, il y a des moyens, bien sûr, les ERP, et beaucoup plus pour l'exploiter, pour la réunir déjà, la classer dans des armoires, hein, data warehouse, et puis l'information externe, cette information externe qui est la plus difficile, elle existe quand elle est tout simplement dans les bibliothèques, quand elle est dans les informations, quand elle est dans les bases de données auxquelles vous êtes abonné, ou tout simplement que vous allez recueillir par l'intelligence économique. L'intelligence économique, qui n'est pas un mot ou un concept très savant, très difficile, mais qui va tout simplement de cette information que vous allez glaner, chercher dans votre environnement, qui, à travers ce qui se dit, ce qui se fait, ce que vous observez et ce qui ne se dit pas franchement. Et donc, ces bruits, ces soft brouhaha, donc, que vous allez naturellement glaner pour en faire cette information externe que vous allez introduire naturellement là aussi dans des bases de données, que, à côté de vos informations internes, les bases de données intérieures, pour les utiliser, pour bien sûr les disséminer à travers tout le cycle de l'information, donc information externe, information interne, la collecter, la stocker, la distribuer pour l'exploiter, parce que c'est de là que vient l'innovation. Naturellement, c'est ce schéma qui montre bien ce que je dis. Information interne, donc le patrimoine de l'entreprise, la gestion de l'information interne, c'est le côté droit, donc le knowledge management, la gestion de connaissances, et puis l'information externe à travers deux éléments, à travers la veille que je vais faire ou à laquelle je vais adhérer ou m'abonner ou organiser moi-même à mon échelle. Mais il faut absolument que j'y sois, si je ne suis pas déjà.
Et puis, de manière plus globale, l'intelligence économique, donc l'intelligence stratégique, celle-là qui va au-delà de la veille, parce que la veille, c'est la collecte de l'information et le classement, le stockage et l'exploitation. Mais au-delà, il y a toute cette information qui n'est pas structurée, celle-là, mais que l'intelligence économique va me permettre d'avoir pour pouvoir l'exploiter éventuellement dans mon entreprise pour la donner à mes ingénieurs, à mes collaborateurs, à mes techniciens, pour que naturellement ils puissent en faire les nouveautés des produits et des, alors pas seulement des produits et des services, mais aussi de mes procédés, de ma manière de gérer, de ma manière de contacter. Donc nous allons le voir, c'est tout. Tout le management, tout le process de l'entreprise va être impacté par cette intelligence, justement, cette manière intelligente selon laquelle l'entrepreneur intelligent va agir pour gérer son entreprise. Alors, naturellement, la veille dont je parlais, vous le savez, vous avez eu aussi quelques intervenants qui en ont parlé, depuis la veille stratégique jusqu'aux diverses veilles concurrentielles. Je vais en parler en détail en ce qui concerne le marché. Donc là, vous avez beaucoup d'outils. Le PESTEL, hein, le fameux PESTEL, constitue tout simplement une bonne méthode pour organiser votre analyse de l'environnement et votre veille dans l'environnement, paix, politique, donc général, le E, l'environnement économique, S social, T technique, etc. Donc, vous connaissez tout ça, la consommation, et puis, bien sûr, tous ces éléments de votre environnement sur lesquels vous devez avoir un œil vigilant, actif, pas réactif, donc proactif. Alors, naturellement, cette importance aussi, toute cette gestion agile de l'entreprise, commence déjà par une gestion agile de l'information. Alors l'information depuis la stratégie, donc l'action au niveau stratégique, donc il faut que, parce que si vous n'intégrez pas l'information au plan déjà de votre stratégie, que vous définissiez ce que vous avez comme information, votre manière de gérer l'information, ce dont vous avez besoin pour gérer votre entreprise, le coût que cela va vous occasionner, etc. Donc, il faudrait naturellement que tout ceci soit déjà dans votre plan stratégique, puisque l'information, nous avons dit que c'est un input essentiel, comme il va être un output essentiel duquel vous allez tirer beaucoup de valeur, naturellement, si vous l'utilisez à bon escient. Donc, cette gestion, naturellement, de l'information d'une manière aussi, parce que tout ce cœur de votre entreprise va broyer cette information. Il va d'abord s'assurer que c'est la bonne information. Il va la confronter à plusieurs sources. Il va falloir l'étalonner pour s'assurer, bien sûr, que cette entreprise, que l'information est la bonne, surtout quand c'est de l'information qui vient du non structuré, c'est-à-dire de l'intelligence économique. Et cette intelligence économique, elle est importante, mais elle peut aussi vous envoyer beaucoup, beaucoup de risques, naturellement, et de vous mener sur de fausses pistes. Donc, il faut absolument être conscient que l'information, pour qu'elle puisse être une donnée et mieux une connaissance, et donc une source d'innovation, il faut naturellement que ce soit une information étalonnée et qui puisse naturellement être assurée au sein de l'entreprise. Alors, assurée par un process, là aussi, d'intelligence économique. Adapté à votre contexte. Adapté à votre contexte veut dire un contexte, bien sûr, d'intelligence économique sur toute la chaîne. Ça veut dire que depuis le recueil de l'information, en passant par son stockage, sa vérification et sa sécurisation,
parce qu'il faut sécuriser cette information. Écoutez, si vous avez payé de l'argent et que vous avez naturellement fait beaucoup d'efforts pour recueillir une bonne information, alors il faut naturellement que je me la garde à moi-même pour que je puisse l'utiliser. Alors ça veut dire tout simplement rapidement, parce que souvent les petites entreprises ou les nouveaux chefs d'entreprise didactiques qui n'ont pas de formation à ce niveau croient que l'intelligence économique est un mot trop savant. Non, c'est des éléments très simples. Votre porte d'entrée de votre entreprise, la porte physique, il faut la maîtriser, comme la porte digitale, vos ordinateurs, etc., vos collaborateurs, leurs clés, etc., tout ça, il faut sécuriser, bien sûr, physiquement l'entreprise et son organisation. Il faut assurer la sécurité numérique de votre entreprise. Et il faut gérer les risques liés aux facteurs humains, vos collaborateurs, ceux qui vous visitent, ceux que vous visitez, etc. Donc, tous ces éléments, vous les connaissez. Maîtriser la communication de l'entreprise, c'est un élément fondamental. Une mauvaise communication va vous coûter cher, comme également une communication de crise comme aujourd'hui, mauvaise, peut être fatale pour l'entreprise. Maîtriser les risques liés à l'environnement, tout l'environnement global de l'entreprise. J'en arrive rapidement. Il me reste combien de temps, Cyrosi? Écoutez, il ne reste pas beaucoup de temps en fait, parce que j'allais vous interrompre. On doit clôturer dans 10 minutes. Très bien. Je ne sais pas s'il reste un petit moment pour une question ou deux par la suite. Alors, très bien. Donc, peut-être que je dirais rapidement, parce que c'est toute ma deuxième partie. J'ai fait beaucoup de digressions sur cette deuxième partie, mais il faudrait juste que je passe un peu devant les yeux de ceux qui me suivent encore. De voir un petit peu ce que je voulais dire, de dire donc première idée très rapidement. Si vous permettez, souvent, si Azela, j'ai une proposition à vous faire, si ça peut être intéressante. De toute façon, ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, il est très intéressant à mes yeux, vraiment très important par rapport à toutes les questions stratégiques que vous avez posées, que les différentes approches mises en place par les différentes institutions. Si vous le souhaitez, on peut prendre une question ou deux, et ce thème-là, on peut peut-être, si votre agenda le permet, le programmer par la suite. Alors, je prendrai quand même 2 minutes ou 3 minutes et je prendrai les questions. Donc, pour vous dire, tout simplement, pour dire à aux chefs d'entreprise, hein, que vos problèmes de trésorerie peuvent être des problèmes de marché. Attention, donc, la trésorerie et l'endettement, n'allez pas dans ce, il faut voir du côté surtout des marchés. Alors les marchés, ça veut dire, bien sûr, il y a une nouvelle manière de voir le marché intérieur, les marchés extérieurs, c'est la même liaison, mais attention, tout le monde est conscient aujourd'hui pour que nous puissions nous fortifier dans notre marché intérieur, et là, il y a beaucoup d'actions à faire, quand l'informel, etc., les contrebandes diverses, y compris les contrebandes organisées, etc., tous ces éléments. Alors, je voulais vous dire, donc, c'est ce tableau, tout simplement, que je voulais vous faire passer. Alors, si, tout simplement, alors, pour le capter éventuellement, pour pouvoir en discuter, alors, je voulais vous dire cet élément, c'est vous dire que vous devez être aujourd'hui dans le marketing intelligent. Ça veut dire quoi? Donc, il faut déjà avoir été un bon marketing, que vous utilisez de plus en plus le digital dans votre marketing, mais que vous utilisez de manière intelligente aujourd'hui votre marketing. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir une vision 360 degrés sur votre marché. Ça veut dire connaître vos consommateurs, comment ils achètent, et Dieu sait que tout va changer. Donc la consommation mondiale et les consommateurs que nous sommes aujourd'hui, nous Marocains, avons déjà changé, serait-ce que parce que nous avons tous exclusivement utilisé
de la consommation à distance, si ce n'est pas à 100%, du moins à plus de 50%. Alors, bien sûr, analysez vos concurrents, analysez l'environnement, donc toutes les parties prenantes, y compris les institutions, les lobbies qui vous entourent, surveillez donc ceux qui sont vos consommateurs essentiellement, vos ventes, vos fournisseurs, ce sont bien sûr des partenaires à surveiller de manière intelligente. Révélez vos leviers innovatifs, donc quelles sont les forces d'innovation sur lesquelles vous allez développer bien sûr vos forces pour mieux faire accroître vos marchés, que ce soit marché intérieur ou marché à l'international. Alors, innovation au sens large, innovation produits, services, procédés, commercialisation, etc. Donc, tout c'est. Et puis, finalement, maîtrisez vos risques. Et enfin, dernier mot, juste pour être un covilette, comme je disais tout à l'heure, il faut être conscient que ce que je disais tout à l'heure, l'humain, le culturel, la nature, ce sont les nouveautés naturellement intimement liées de ce management nouveau pour toutes les entreprises, y compris celles qui se disent toutes petites entreprises, mais qui doivent avoir l'ambition de grandir, devenir bien sûr des multinationales, comme les startups doivent, Skylab doivent grandir. Voilà, je vous remercie. Je m'excuse d'avoir été trop long. Mais sinon, si au besoin, on peut revenir sur des choses pour les développer encore mieux à l'avenir. Merci bien. Merci de votre patience. Merci beaucoup, César. Vraiment, c'était très, très instructif, très structuré. Vous avez passé en revue un certain nombre d'éléments, des plus pratiques jusqu'à les éléments les plus... les plus théoriques, comme la partie de l'ERP, du système d'information. C'était très complet. Moi, personnellement, je reste sur ma soif sur la deuxième partie qui concerne la partie marché, relance des marchés. Bon, peut-être, on verra par la suite, si votre temps le permet, on verra s'il est possible de la reprogrammer, Inch'Allah. Moi, pour courtoisie, honnêtement, je suis vraiment désolé, les chers participants, on a beaucoup. Là, on doit démarrer un autre séminaire dans 5 minutes. Je me permets de demander au chef d'entreprise, s'il y a avec nous un chef d'entreprise qui souhaite interpeller, commenter, réagir par rapport aux différents propos de Siazera. Je voulais apprendre ou à manifester son intérêt. Pardon. Bah, yes, c'est Khalid Lizhari. Je vous donne la main, c'est Khalid. Vous avez, vous pouvez activer votre micro, oui. Vous entendez maintenant? Oui, effectivement, on vous entend bien. Donc, merci à notre consultant et à notre communauté CDD pour cette initiative. C'était un exposé très riche de monsieur le consultant aujourd'hui. Donc j'ai voulu juste dire quelques mots à propos de la richesse humaine ou des compétences aujourd'hui. Nous, comme chefs d'entreprise, on souffre de ce problème. Le produit aujourd'hui que notre système nous donne nous ne permet pas de challenger aujourd'hui. Aujourd'hui, comme vous voyez, donc pour pouvoir contrecarrer ce vous travaillez en post-Covid, il vous faut des ressources donc, qui sont axées ou orientées innovation, amélioration continue et PDCA. Donc, nous, on souffre de ce problème. Et je crois l'ensemble aussi. J'ai donné un exemple de la première partie. Par exemple, on était allé voir les banques ou on traite avec les banques. Aujourd'hui, au Maroc, dans les agences bancaires, vous ne trouvez que des commerçants. Ou des commerciales, ou des commerciaux. Le chef, chef de l'agence aujourd'hui, de partout, toutes les agences, toutes catégories confondues, vous ne trouvez pas un businessman ou un B2B.
il est là juste pour, on réduit son chemin, son périmètre. Et si vous partez lui parler de votre business, il est réticent. Il est là pour vendre les crédits pour les petits consommateurs et les particuliers. Donc, ils ne sont ni qualifiés, ni à la hauteur. Ils ne conseillent pas. Quand vous parlez de votre entreprise, il revient vers... Il est réticent. Il parle de la commission, qu'il doit voir les dossiers et tout ça. Donc, il n'y a pas d'échange à ce niveau. Donc, ça, c'est un exemple, par exemple, que les gens vivent avec leur banque. Aujourd'hui, vous faites un tour chez les banques, vous trouvez des agences où il n'y a même pas un chargé d'affaires ou chargé du professionnel. C'est un bac plus 2 qui vous retiennent là-bas et ils commencent à vous dire, voilà, d'accord, on va voir, je vais voir avec le comité et tout ça. Donc, sinon, le système bancaire aujourd'hui, s'ils veulent traiter un dossier, on n'a qu'à le déposer chez le comité ou la commission directement. On passe aux agences. Les agences aujourd'hui sont démunies ou désertées des cadres. La qualité des cadres qu'ils mettent sur place. Donc, si vous faites un sondage, on va trouver que on n'est pas écouté, on n'est pas le bienvenu. Bien, oui. Oui, effectivement, donc ça c'est... Et merci. Oui, la communication entre banque et entreprise a toujours été un problème. Alors, il faut naturellement, c'est vous, chef d'entreprise, qui connaissez votre banque. Il faut insister. Moi, je vous dis la chose suivante. Il faut juste que vous prépariez de bons dossiers. Le bon dossier trouve toujours preneur chez les banquiers. Les banquiers, eux, aujourd'hui, ils sont instamment priés par tout l'environnement pour qu'elles puissent naturellement aider les entreprises parce que leur intérêt aussi est ce que les entreprises restent en vie et qu'elles se développent. Et donc, il faut tout simplement préparer vos dossiers de manière correcte et négocier de manière correcte avec les banquiers. Alors, il y aura toujours... Alors, le ministre des Finances a donné des chiffres pour dire et vous encourager pour dire que les TPE ont aussi l'écoute des banques. J'espère que oui. Faites le travail. Préparez surtout de bons dossiers pour que vous puissiez bénéficier de ces financements qui sont là. Alors, il y a aussi, donc, ne vous méprenez pas. Si vous n'avez pas besoin vraiment de financement, ne vous endettez pas, tout simplement. Si vous avez la possibilité d'avoir des sources de financement extra-crédit, bancaire, pourquoi pas, faites-le. Si vous avez la possibilité d'actionner d'autres manières, donc pour renflouer vos rentrées, votre cash flow, faites-le. Donc, activez de nouvelles clientèles, réduisez vos coûts, surtout pas l'emploi parce que ce sont les ressources humaines qui créent de la valeur. Donc, gérez tous les aspects qui concernent, bien sûr, la trésorerie. Faites un nouveau plan de gestion de votre trésorerie pour que vous puissiez, bien sûr, et si c'est nécessaire, bien sûr, si l'endettement est obligatoire, pourquoi pas présenter de bons dossiers. Alors pour les trois, donc aussi bien pour Oxygène, pour Relance, pour les fonds propres, donc pourquoi pas. Très bien, merci Sermon. Merci beaucoup Sermon, merci beaucoup. Chers amis, je suis vraiment navré. Certains, je sais que certains restent un petit peu sur leur faim, qui restent un petit peu frustrés parce qu'ils n'ont pas pu poser leurs questions. On va voir Maasi Azeral, si son temps le permet, pour voir comment on pourrait éventuellement programmer une autre session, déjà pour peut-être pour répondre aux questions ou là pour faire la deuxième partie du Fast & Club. J'espère qu'on sera déconfiné et qu'on fera une conférence de vive voix, comme ça c'est plus intéressant parce que là vous dialoguez les yeux dans les yeux. Inch'Allah.
Écoutez, il est temps de clôturer la session. De ma part, moi, je trouve qu'il y a 3-4 éléments que je retiens vivement. Le premier, c'est résister. Les 4 R, pour faire simple, résister, redémarrer, relancer, réadapter. Ben, c'est un message que je trouve fort, positif pour les TPE. TPE, chef d'entreprise, c'est un message d'aller en avant. Avec quels moyens? Ben, les moyens, c'est les questions stratégiques que Sazera a posées. Donc, quelle arène évoluez-vous pour concentrer vos forces? Quelle valeur unique? Quelle est votre proposition de valeur unique? Comment la livrez-vous? Quelles sont vos opérations? Et j'en passe. Comment y aller pour mettre ça en place et à travers, et comment surtout gérer l'incertitude? Vous l'avez très bien dit, c'est en planifiant, être agile, mais sans prétendre ni vouloir tout contrôler soi-même. Et dernier point, c'est diagnostiquer la trésorerie dans l'entreprise. Et Dieu sait combien d'entreprises ont eu du mal à avancer pendant ce Covid-là, principalement à cause de leur trésorerie, parce que avant le Covid, ils avaient une trésorerie très avec un équilibre très 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 instable. Pour votre information, on aura un autre sujet qui traite de la TPE cette semaine-là, le vendredi, qui sera un petit peu plus une certaine continuité, parce qu'on va parler sur la partie planification, pour lequel je vous invite à y assister, et particulièrement à inviter aussi votre réseau à nous rejoindre pour assister à ces séminaires. Il est temps de vous dire au revoir. Je tiens vraiment à remercier Sia Zirar infiniment pour sa disponibilité, pour l'excellente présentation qu'il nous a fait. Je remercie aussi tous les participants, les participants avec nous. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Allez, au revoir. Au revoir.